Et c'est donc un début pour notre premier cours de B07. Donc, comme premier cours, on fait une espèce de retour sur les fondements de la programmation procédurale. Donc, dans le monde de la programmation, il existe euh, différents paradigmes de programmation. Donc, on peut avoir, puis qu'est-ce qu'on a fait euh, depuis, ben, qu'est-ce que vous avez fait dans votre dernier cours? Ça va être ce qu'on appelle de la programmation procédurale. Donc, euh, le principe, là, si on regarde ici là, notre gentille page Wikipédia là, qui dicte, OK, donc euh, il y a différentes manières de créer des euh, programmes avec des instructions. Puis, la première que vous avez vue, c'est le principe d'avoir des procédures, okay? des sous-programmes, des fonctions, des méthodes. Tu pars du début, tu t'en vas peut-être à d'autres places, tu reviens, mais ça découle tout le temps d'un flot qui est continuel okay? avec le, le flux d'instructions. Dans ce cours-ci, une fois qu'on va avoir les bases procédurales bien ancrées, on va pouvoir aller regarder un deuxième type de programmation impérative qui va être la programmation orientée objet, qui va être capable de regrouper des concepts de mon problème en tant qu'objet. Hein, ça porte bien son nom, la programmation orientée objet. Puis, c'est ce qu'on va voir en fait dans notre prochain cours. Donc, qu'est-ce que ça implique des objets? Qu'est-ce que je fais avec? Comment je les utilise? Et ainsi de suite. Ça va être une grosse partie de ce cours-ci. Mais avant, on va aller regarder okay, la programmation procédurale. Okay, qui est un des premiers puis des plus populaires types de programmation qui est euh, supporté ici hein, en C avec euh, tout ce que vous avez fait, mais on va voir qu'on peut changer de paradigme, puis on reste quand même en C-Sharp euh, partout. Qu'est-ce qu'on va faire? Fait que juste un euh, minimal programme, donc à chaque fois qu'on commence à faire de la programmation, on commence habituellement avec ce qu'on appelle un Hello World, qui est juste une preuve que le programme fonctionne, qu'on est capable d'avoir un environnement qui est euh, correct. Fait que quand on part à une nouvelle application, on peut commencer avec un programme. Ici, le Hello World utilise une méthode qu'on invoque avec une chaîne de caractères qui a le texte que je veux afficher. Puis quand j'exécute ça, j'ai ici, moi, ça m'ouvre ça dans une console en tout là où je pourrais, je peux voir les résultats de mes instructions. Donc, euh, j'ai ici le Hello World. Puis, si je change le contenu, alors la classe, puis que je réexécute mon programme, ben, je vais pouvoir voir ici le changement de l'exécution par rapport à qu'est-ce que euh, j'ai écrit dans mon Hello World. Okay, donc. Euh, le principe fondamental, c'est que le minimum requis pour un programme en C-Sharp, c'est juste d'écrire des instructions. Ce qui n'est pas toujours le cas hein, de d'autres langages de programmation. Euh, on a, euh, si je donne un exemple, hein, un langage qui est euh, en fait très semblable. Au C, -sharp, qui est le Java en fait, le C s'inspire de ce langage-là. Pour avoir un Hello World, il faut avoir tous ces éléments-là autour. Okay? c'est que tu marques classe, public, statique, void, main. Puis là, après ça, tu as l'affichage, les instructions que tu veux exécuter. Donc, euh, des fois, hein, les euh, Hello World sont beaucoup plus gros, puis il y a beaucoup plus de connaissances requises pour tout comprendre qu'est-ce qui se passe. Euh, qu'est-ce qui est intéressant, puis qu'est-ce qu'on va voir un petit peu plus tard, c'est qu'en en fait, le C Sharp a eu euh, des versions euh, récemment qui ont simplifié le Hello World, donc euh, qu'on peut juste écrire directement le Hello World, mais derrière, en fait, il écrit automatiquement tout ce qu'on vient de voir dans l'autre Hello World, dans Java, c'est euh, tout écrit, c'est juste derrière les rideaux, c'est rajouté automatiquement pour pas qu'on aille à euh, trop avoir de la misère à créer des programmes simples. On a ensuite, donc, euh, les principes de base, on a des instructions. Les instructions sont exécutées de manière séquentielle. Euh, je peux écrire plusieurs instructions. OK, ça, ça va bien. Donc, euh, si je écris deux éléments, ça fait en sorte que ça les exécute dans l'ordre que je les ai écrites. OK, rien de trop fancy avec ça. Avec ces instructions-là, il va y avoir du texte qui existe seulement pour d'autres êtres humains. Okay? Donc, quand je veux écrire du stock dans mon, dans mon code source, hein, dans la source de mon application, donc ce fichier de texte-là, c'est ce qu'on appelle le code source, on a des commentaires. Donc, les commentaires, c'est des choses que tu laisses pour un autre être humain, habituellement toi-même, dans le futur, pour mieux comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire, pour expliquer les différents algorithmes que tu utilises pour résoudre tes problèmes. Il existe deux types de commentaires en C-Sharp. On peut avoir le double slash okay, qui fait en sorte que le restant de la ligne est en commentaire et on peut avoir aussi euh, une balise de départ avec le slash étoile où ça va continuer d'être des lignes de commentaires jusqu'à temps que j'aille le étoile slash qui termine la balise, puis qui fait en sorte que le commentaire se termine. Donc, on va jaser de commentaires, quand est-ce qu'il faut en mettre, pourquoi est-ce qu'on veut les utiliser euh, au fur et à mesure qu'on avance, mais habituellement, ça va être pour décrire des choses qui ne sont pas évidentes avec le code, avec les instructions elles-mêmes. Euh, un élément important qui va revenir souvent quand on travaille avec un langage de programmation, ça va être le principe d'identificateur. Donc, en passant encore une fois, là, vous pouvez suivre en même temps sur euh, le site de notes de cours qui est euh, directement euh, linké sur le site de Léa. Donc, si tu cliques sur le site de notes de cours, on est dans la section B07 en ce moment. On est en train de regarder le cours 1. Euh, si tu ouvres la page, tu as toutes les différentes sections à l'intérieur. Moi, je suis en train de faire ça avec un petit peu, une page un petit peu plus collée, là, fait qu'on n'a pas les éléments à droite, mais c'est disponible. Fait qu'on revient, on parlait de nos identificateurs. Donc, à chaque fois que je vais avoir besoin de nommer quelque chose dans un programme, que ce soit une variable, que ce soit une méthode, que ce soit ultimement des classes qu'on va faire. Quand c'est à moi de nommer quelque chose, je vais créer un identificateur. Donc, l'identificateur est une manière de représenter de manière unique cet élément-là dans mon programme pour que je puisse être capable de le réutiliser plus tard. Donc, les identificateurs, ils ont des règles de nommage. Donc, on ne peut pas écrire n'importe quoi. Donc, premièrement, le premier caractère doit débuter par une lettre un A commercial ou un underscore. Okay? Puis je te dirais que 99% du temps, ça va commencer par une lettre. Okay? Parce que le A commercial et le underscore sont habituellement laissés de côté par convention okay? pour des éléments plus raffinés. Donc ici, j'utilise souvent beaucoup de, de syntaxes qui se répètent, du vocabulaire. Fait que je, les premières fois, on va s'assurer qu'on comprend bien qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'implique quand je parle de convention? Une convention, c'est une, euh, une règle qui n'est pas obligatoire, donc qui n'est pas marquée euh, dans les règles officielles ou qui est euh, affirmée, mais c'est une règle qu'on se donne en tant que programmeur, en tant que personne qui développe des applications pour se faciliter la vie. OK? Donc, euh, une convention, c'est quelque chose que tout le monde fait, puis qu'on vit dans une meilleure société pour ça. C'est comme un exemple d'une convention. Quand tu montes des escaliers, okay, tu te mets à droite. Quand tu descends des escaliers, tu te mets à ta droite aussi. Comme ça, qu'est-ce qui arrive? Ben, quand quelqu'un monte, puis quelqu'un descend, okay, tu ne te rentres pas l'un dans l'autre. Un c'est une convention, tu n'es pas obligé. Là. Je pourrais commencer à monter les marches à gauche, mais. La convention sociétale, ok, nous dicte que tout le monde se met à droite. Habituellement, en fait, c'est dans le même sens que tu conduis. Fait que certainement hein. en Angleterre, j'imagine que le monde se met à gauche, mais le principe, c'est que c'est une convention que tout le monde suit. C'est pas une règle officielle. Tu peux pas te faire donner une contravention, mais tout le monde vit mieux à cause de ça. Donc, quand on parle de convention, c'est des règles qui ne sont pas obligatoires, mais que tout le monde suit pour être capable de bien euh, travailler. Donc, première, c'est une lettre. Ou des fois, ça se peut que tu vois un A commercial ou un tiré bas. Le reste des caractères peuvent être soit des lettres, soit des chiffres ou des tirés bas. OK, le underscore. Puis, il faut euh, éviter d'utiliser un mot qui est réservé par le langage. Donc, ici, euh, quand on parle de mots réservés, là, on parle des choses comme if, while, for. Donc, c'est des choses qui sont utilisées pour d'autres éléments importants. Donc, je ne peux pas les utiliser comme identificateurs dans mes programmes. Euh, faire attention, OK? Euh, la casse, donc, euh, des lettres minuscules, des lettres majuscules, c'est des euh, caractères différents. Hein. Donc, euh, on veut éviter euh, d'avoir une variable qui s'appelle allo, puis une variable qui s'appelle allo avec un A majuscule. Ce n'est pas la même variable. Puis aussi... Euh, les variables vont habituellement avoir ce qu'on appelle par convention une forme camel case. Donc, quand on veut représenter plusieurs mots, okay, on va garder ça avec juste des lettres. Puis quand vient le temps de changer de mot, on va avoir une lettre majuscule au début du, du changement de mot. Okay, fait que ici, c'est comme s'il y a deux mots il y a camel et case. Donc, ça aussi, encore une fois, c'est une convention. Okay? C'est ce qu'on fait dans les langages habituellement orientés à objet. Donc, tout le monde sait où c'est qu'on s'en va avec ça. On a ensuite le principe de variable. Donc, le but d'une variable, ça va être d'avoir un espace mémoire qui va être capable de sauvegarder une valeur pour que cette valeur-là soit réutilisée ou mise à jour durant l'exécution de mon programme. Donc, quand on veut utiliser une variable dans un programme, il faut premièrement la déclarer. Okay? Donc, il faut lui dire voici l'espace mémoire que tu vas réserver. Une fois qu'elle est déclarée, on peut lui assigner une valeur. Puis une fois qu'il y a une valeur d'assignée, on peut aller chercher cette valeur-là quand on va utiliser cette variable-là dans une expression. Fait que quand on travaille avec les différentes euh, Variables possibles, chaque variable va avoir un type. Donc, euh, le principe, c'est que dans l'ordinateur, on ne peut pas avoir n'importe quoi, là. on ne peut pas avoir euh, une infinité de nombres. Donc, euh, quand je veux sauvegarder quelque chose, il faut que je me fasse une boîte qui est assez grande puis qui a la bonne forme par rapport à qu ce que je veux enregistrer. Donc, euh, en C, -sharp, on a une série de types. OK? Donc, on va avoir des types. Ici, j'ai juste été tirer, euh, les informations de la référence officielle. C'est les différents types qui sont euh, à l'intérieur. Donc, on a certaines catégories de types. Donc, euh, on a des types pour des valeurs numériques entières. Donc, euh, quand je parle de valeurs numériques entières, on parle d'éléments qui ne sont non fractionnaires. Hein? Fait que 3, 7, moins 12, 14, 2546, mais pas d'éléments avec euh, des négatifs devant. Fait que chaque type va avoir une taille, donc euh, une valeur maximum et minimum qui va venir avec. Donc euh, le principe, c'est qu'habituellement, on utilise des int parce que euh, c'est pas mal le type. Qui est euh, le plus commun quand on travaille avec euh, des éléments en informatique, puis c'est euh, la taille qui est la plus appropriée aussi pour les processeurs, c'est celle-là qui est la plus facile à traiter directement. Mais euh, dépendamment de qu ce qu'on a besoin, on va avoir okay, une panoplie de euh, bornes possibles pour les valeurs. Donc, si on regarde ici les différents types euh, d'entiers, on a des bytes OK qui vont de telle à telle valeur on a des shorts qui vont de telle à telle valeur donc habituellement le int OK on voit ici qu'il va de valeur négative, donc de 2 milliards millions à 2 milliards millions habituellement c'est assez pour la majorité de nos euh, problématiques Qu'est-ce qui est intéressant c'est que on peut aussi avoir des, euh, des mêmes éléments, mais avec un U à l'avant, ce qui fait en sorte que le range se déplace, puis ça devient juste des valeurs positives. Donc, quand j'ai un U, ça veut dire que c'est unsigned, okay, non signé. fait que ça ne peut pas être négatif, hein, il ne peut pas avoir de signe. Ça fait en sorte qu'on a le même range. Hein, si on regarde, 2 puis 2, ça donne 4. que ça donne 4 milliards de... Différentes valeurs, mais c'est juste les valeurs positives que je peux avoir à l'intérieur. Donc, par défaut, quand on veut travailler avec des entiers, on va utiliser le int parce que c'est ce qui est le plus efficace avec les ordinateurs courants. Si on a une problématique dans notre programme par rapport à ça, on peut aller chercher un type qui est plus approprié pour les entiers. Ensuite, on va avoir les nombres flottants. Donc, les nombres flottants, ça va être l'inverse des éléments qui sont euh, des entiers. Hein? Donc, je peux avoir des valeurs fractionnaires. Donc, on a le float, le double et le decimal. Donc, le float et le double, c'est un peu encore le même principe de comme c'est différentes tailles pour être capable de traiter de ce qu'on a besoin. Euh, par défaut, on va majoritairement utiliser le double, encore une fois, parce que c'est ça qui est le plus. Optimales pour nos processeurs courants. Le float, en fait, a été euh, créé initialement. Le double, c'est que le double de la précision du float. C'est pour ça que c'est double. On voit ici qu'il y a 32 bits d'informations. Il y en a 64. Puis, on peut aller chercher des valeurs de moins 1,7, blablabla, jusqu'à l'exposant. exposant, fait que 10 à la 308. On devrait être capable d'aller chercher assez d'informations. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'important à se souvenir quand on travaille avec les valeurs flottantes? C'est qu'un ordinateur a de la misère à faire cette représentation-là. Hein, parce qu'un ordinateur, ultimement, ça a le, juste des 0 puis des 1 à l'intérieur. Ça fait que c'est pas capable de traiter facilement de cet élément-là. Donc, euh, quand euh, j'utilise des nombres flottants, il ne faut pas que je m'attende à avoir des résultats avec une très grande précision. Okay, donc, euh, j'ai une dizaine, je pense, de chiffres après la virgule de précision, puis après ça, c'est plus garanti. Euh, en fait, notre troisième type décimal okay, est capable d'avoir des plus petites valeurs que double, donc il, il peut avoir moins de valeurs possibles, il peut être moins grand, mais le nombre de précisions, okay, le nombre de décimales de précision, est beaucoup plus grand. OK, fait que si je travaille sur, mettons, des calculs euh, qui ont une grande importance, des calculs euh, de physique ou des calculs, OK, euh, de bourse ou de euh, problèmes de, euh, de gestion financière, je vais avoir le plus de précision possible. Donc je peux utiliser le decimal. On a ensuite après, donc ça, c'était les euh, types numériques. On a ensuite les types de caractères. Donc, euh, qu'est-ce qui représente du texte? Donc, euh, on va voir le char qui va représenter un seul caractère euh, visible. Puis, on va voir le string, qui est celui qu'on va utiliser majoritairement, là, pour représenter des chaînes de caractères. Donc, les chaînes de caractères, c'est représenté avec des doubles guillemets pour... Euh, comme on a fait avec le right line ici, donc cette information là en ce moment c'est un string à l'intérieur d'une chaîne de caractères. On a un dernier type qui est le type logique, donc on a un type bool qui est euh, le type hein, logique ou booléen qui a juste deux valeurs possibles qui va être capable d'être true ou false. Directement. Il n'y a pas d'autres valeurs possibles à l'intérieur. Il existe quelques autres types qu'on va voir en temps et lieu, comme le type objet, puis il y a aussi un type dynamique, là. Euh, mais pour l'instant, c'est comme les types fondamentaux qu'on veut être capable d'utiliser dans un programme. On a euh, le principe de déclaration de variables. Donc, euh, j'ai dit que si je veux avoir une variable, il faut que je la déclare. Donc, quand je déclare la variable, j'ai le type de la variable, puis j'ai le nom de la variable. Donc, euh, si je veux me déclarer un élément, je vais faire un int. Nombre est égal à 7. Chacune des instructions se termine par un point virgule. Puis, avec ça, j'ai à l'intérieur de mon programme... Euh, la possibilité de faire, ben, d'utiliser cette variable-là par la suite. Donc, on a le type, le nom de l'identificateur, puis je peux avoir ça tout seul. Une fois que j'ai ça, par contre, après ça, je peux faire mon assignation okay, sur un autre élément, puis je peux réassigner des choses autant que je veux à l'intérieur de la variable. Ce n'est pas un problème. J'ai aussi la possibilité, quand je euh, déclare une variable avec une assignation sur la même instruction, d'utiliser le mot-clé var à la place. Okay? Donc, euh, le var me permet d'avoir euh, un type qui est inféré. Okay? Donc, lui il va aller regarder l'assignation. Il va faire, hmm, tu as mis une valeur entière. Donc, euh, je vais utiliser un int. À l'intérieur de ça. Donc, euh, on a la possibilité d'avoir le VAR quand je fais une assignation, puis le type va être inféré. Euh, C'est un outil, mais qu'on n'est pas obligé d'utiliser. En fait, ça fait en sorte que le code est peut-être un petit peu plus moins explicite. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement euh, le fun quand on fait de la programmation. On veut que les choses soient le plus explicites possible. On a ensuite la possibilité d'avoir des constantes. Donc, des fois, j'ai des nombres contextuels à mon problème que je veux juste sauvegarder quelque part et être capable de réutiliser. Donc, avant le nom du type, je peux rajouter le mot-clé const qui va me permettre d'avoir euh, la variable qui ne varie pas. Okay? Donc, c'est une constante. Puis, par convention, encore une fois, convention, ça veut dire que tout le monde fait la même chose, mais ce n'est pas une règle qui est euh, obligatoire. Là. Ça ne va pas t'arrêter le programme si tu ne fais pas ça. On va avoir les noms des constantes qui vont être en majuscule totale. Donc, toute la constante, tout le nom va être en majuscule. Là, dans ce cas-là, puisque tout est en majuscule, si tu veux avoir des espaces, tu peux utiliser des tirets bas. Donc, si j'ai un exemple où c'est que j'ai une constante qui est assignée à 20, le principe, c'est que je l'assigne une fois, puis après ça, je ne peux plus réassigner la valeur par la suite. On a le principe de conversion. Donc, souvent, on va avoir une information qui est dans une chaîne de caractères, mais cette chaîne de caractères-là, elle contient dans sa chaîne de caractères un nombre. Okay? Deux, le caractère 2, deux, le, deux, le caractère 4, je sais que ça donne 24, mais c'est un string en ce moment, je ne peux pas faire des euh, opérations dessus. Donc, on a des. Euh, ben, en fait, on a une classe avec des méthodes. Donc, euh, quand on utilise le nom d'une classe, on apprécie le point, le nom de la méthode. On va aller voir pourquoi beaucoup plus en détail au fur et à mesure de la session, mais pour l'instant, c'est comme ça qu'on l'utilise depuis le début. Là. Donc, on a la classe convert qui a à l'intérieur différentes euh, méthodes qui va me permettre de faire toutes les conversions que je pourrais vouloir. Fait que le principe, c'est que j'ai des tout quelque chose, puis je peux aller convertir un élément à, cette, à ce type-là. Donc, si je regarde dans la documentation officielle, okay, les tout quelque chose c'est euh, tous ceux-là en fait qui sont en, tous les types numériques qu'on avait vus puis le string donc euh, to boolean to char to byte, to byte to int to int32 to int et ainsi de suite donc euh, tous ces éléments là sont disponibles donc on peut voir ici le convert to int32 euh, le convert to char le convert to string le convert to boolean tout est là et disponible donc euh, n'importe quel tout quelque chose va fonctionner à l'intérieur de euh, la classe Convert. Fait que, un exemple ici, on a une chaîne de caractères que le texte 7, fait attention, hein, ce n'est pas la valeur numérique, on ne peut pas faire d'opération arithmétique là-dessus, je ne pourrais pas faire 7 plus 7, puis que ça me donne 14. Fait que, il faut que je le convertisse en nombre, puis une fois qu'il est converti en nombre, là, je peux commencer à l'utiliser comme si c'était une valeur numérique. Euh, parfait, on a déjà une première heure qui euh, passe rapidement. Donc, on va prendre une première petite pause. Donc, encore une fois, une pause de 10 minutes. Fait qu'on se rejoint, euh, puis on va continuer dans nos euh, déblatérations d'éléments de, de base euh, en revenant de la pause. Avant de faire ça, j'ai une question de Lofit. Oui, bonjour, euh, merci beaucoup. Euh, juste, euh, j'ai voulu profiter quelques secondes avant d'aller en pause. J'ai mm -hmm. deux petites questions rapidement. Euh, Lorsqu'on fait une déclaration avec euh, le mot-clé var, euh, est-ce que le type inféré euh, au début, lors de l'initialisation, est-ce qu'il peut changer en cours d'exécution? Comme ici var, il va être inféré en int. Est-ce qu'en cours d'exécution, il peut avoir, par exemple, un double? Mm -hmm. Et rapidement, il y a une autre question, si vous permettez. Euh, avec cette euh, nouvelle version du euh, .NET, euh, on ne voit pas, donc, euh, euh, le, le, euh, disons, le, la, la méthode main. Euh, alors, euh, si on veut ajouter, par exemple, une fonction euh, statique, une méthode statique à côté du main, comment on va l'ajouter dans ce cas-là? Et merci beaucoup. Mmh. Donc, euh, pour ta première question, quand on met le VAR, OK, l'inférence se fait à la compilation. Donc, euh, le principe, c'est que ça reste une seule, un seul type. Okay? Donc, le C-sharp est un langage qu'on dit qui est typé statiquement. Ça veut dire que les variables ne peuvent pas changer de type en cours de route. Là, je vais mettre un astérisque à ce que je viens de dire parce qu'il y, y a var, là, mais il y a un autre mot-clé qui s'appelle dynamique. Puis, le dynamique a plus de possibilités, mais ça peut juste être fait dans... Euh, des paramètres de méthode, donc là, il y a comme d'autres éléments, là, mais par défaut, okay, les types sont statiques, les variables ne peuvent pas changer de type en cours de route. Deuxième question, avec les, euh, le, les consoles qui ont automatiquement le, le système puis le public euh, static main qui est intégré, euh, on va voir tantôt, en fait, comment euh, faire des méthodes qui vont être implicitement statiques. Mais en gros, tu as, as juste à écrire. C'est comme si tu étais à l'intérieur de, de ta classe de base. Fait que tu peux juste écrire la méthode, puis après ça, l'utiliser. Okay? Puis on va voir que ça se fait pas mal automagiquement à l'intérieur de ce même fichier-là. Mais on va le voir tantôt comment euh, construire des méthodes de plus. OK. Merci beaucoup. Excellent. Est-ce qu'on a d'autres questions avant qu'on parte en pause? Ouh, on n'est pas payé pour l'instant. Excellent. Donc, euh, j'aime ça quand c'est arrondi. Fait qu'on va se donner une pause. Puis, on va revenir à 9h10 pour reprendre la matière. Donc, euh, on va écrire pause, retour, 9h10. On se revoit dans quelques minutes. Donc, on s'était laissé avec les euh, différentes constantes, puis euh, la conversion. Notre prochain, prochain sujet, ce n'est pas quelque chose qui rapporte directement à la syntaxe, mais ça vient avec dans le vocabulaire informatique. Donc, on va parler d'expression. Puis, le principe d'une expression, c'est okay, un, un concept qui dicte... Que euh, l'expression, c'est quelque chose que l'ordinateur va être capable de prendre, puis qui va être capable d'évaluer, qui va être capable de trouver c'est quoi la réponse de cette évaluation-là, de cette expression-là. Donc, quand on travaille avec des expressions, ça peut être directement une valeur, comme ça peut être une opération qu'on a besoin de faire, une opération arithmétique, un appel de méthode, OK? Euh, n'importe quoi qui va ultimement me donner une réponse, c'est ce qu'on appelle une expression. Puis le principe ici, c'est que les expressions, on peut en avoir à différents endroits qui euh, sont très, très, très flexibles. Donc, il faut être capable de comprendre que quand je dis que ça, cette affaire-là, ça prend une expression, il faut bien saisir toutes les variantes possibles, toutes les possibilités qui vient avec le fait que j'ai dit que, à cet endroit-là, c'est une expression. L'endroit le, euh, typique où on va avoir une expression, ça va être dans une assignation. Hein? Donc, euh, je peux avoir une assignation qui a une valeur directement. Donc, quand on a une assignation, hein, c'est le nom de la destination, le nom de la variable dans laquelle je vais assigner quelque chose. Ensuite, j'ai le égal, puis à droite, j'ai une expression. Bien, quand je dis qu'à droite, j'ai une expression, ça veut dire que je peux mettre directement une valeur littérale, ou c'est directement la réponse. Ou sinon, je vais pouvoir mettre une expression qui va être évaluée. Donc, dans ce cas-ci, j'ai une opération arithmétique, une addition. Le principe, c'est que cette évaluation-là va être faite avant de faire le reste de l'instruction. Donc, dans Y, c'est pas 7 plus 3 qu'on assigne, c'est le résultat de 7 plus 3. Ce qu'on assigne dans Y, c'est 10. Il hein? n'y a pas de concept de j'ai gardé en mémoire l'un, comme c'était quoi la règle, tu sais, c'est pas une euh, fonction mathématique qu'on écrit, c'est une instruction d'assignation. Donc, le principe d'expression va souvent revenir. Donc, il faut toujours saisir que dès que je dis expression, c'est quelque chose de très versatile qui va nous permettre d'écrire un paquet de choses. Parlant d'expression, de, quand je veux utiliser une variable, donc là j'ai assigné une variable, quand je veux utiliser une variable, je vais utiliser l'identificateur de la variable dans une expression. Puis quand j'utilise un identificateur d'une variable dans une expression, la valeur de la variable remplace l'utilisation de l'identificateur. Ici, on en a fait en fait un exemple, j'ai une assignation où c'est que j'ai assigné la valeur 7, puis après ça, dans un appel d'une méthode, j'utilise okay, ici un, euh, euh, un identificateur d'une variable. Puis, ça va aller chercher la valeur qui était dans l'identificateur. Euh, quand on appelle une méthode, les paramètres d'entrée aussi, okay, c'est aussi une expression. Hein, J'aurais pu très bien faire quelque chose comme ça. Puis, euh, encore une fois, ça va trouver le résultat de cette évaluation-là avant de faire le restant de l'exécution. Donc, ça va trouver. Bon, j'ai l'utilisation d'un identificateur d'une variable, donc ça va aller prendre le résultat de cette valeur-là. Le 7, ça va ensuite additionner le 3, puis ça nous donne le 10 à la fin. Euh, on peut aussi euh, appeler des euh, méthodes dans des expressions. Donc, euh, les méthodes qui vont avoir un retour, donc euh, calculer le sin, calculer l'aire de quelque chose, une méthode qui a un retour. Va aussi être va, pas. Va pouvoir aussi être utilisé dans une expression. Puis, dans ce cas-là, le retour de la méthode va prendre la place de l'appel. En fait, c'est qu ce qu'on a vu ici, là. J'ai une méthode. Le but de cette méthode-là, c'est d'avoir un retour, d'avoir une réponse. Donc, dans cette assignation-là, on a une expression à droite. Puis ici, j'ai un appel d'une méthode. L'appel de la méthode va être remplacé par le retour de la méthode. Puis là, je pourrais avoir d'autres opérations autour. Je pourrais faire plus que de choses, puis ça continuera à fonctionner quand même. On a pour les expressions différents opérateurs. Donc, on a des opérateurs arithmétiques. Bon, on a l'opérateur d'assignation, on vient de le voir. Les opérateurs arithmétiques, donc addition, soustraction, multiplication, division. Puis, on en a un qui est plus, tu sais, comme euh, addition, modification multiplication, division. On ne va pas passer plus de temps là-dessus. On s'attend que ça, ça, ça va bien. Mais on a l'opérateur modulo. Est-ce qu'on avait vu qu'est-ce que ça fait le modulo dans notre vie de programmation? Prendre de gorgé d'eau pendant que quelqu'un me donne un thumbs up ou un thumbs down ou un oui ou un non. Un thumbs up. Oui. Donc, super, ça me donnait le restant de la division. Hein, donc, ça me permettait de dire, ben, si j'ai une équipe, si j'ai euh, 347 personnes, puis je veux faire des équipes de 17, il va rester combien de personnes qui ne sont pas dans une équipe complète. Donc, euh, le modulo peut être utilisé avec euh, le signe de pourcentage comme opération arithmétique. On a quelques opérateurs arithmétiques unaires aussi. Euh, donc, le plus, le moins pour dire que c'est plus ou moins. Le plus est implicite. Là, quand je mets rien, c'est comme si j'avais mis plus devant. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des euh, opérateurs logiques. Donc, on peut avoir un point d'exclamation pour faire une inversion logique. Donc, euh, si c'est un true, ça devient un false. Si c'est un false, ça devient un true. Puis, on a aussi les opérateurs d'incrémentation, puis de décrémentation. Donc, je peux marquer euh, x ⁇ puis ça va automatiquement incrémenter la valeur de 1. On a des euh, opérateurs euh, relationnels. Donc, euh, les opérateurs relationnels génèrent des valeurs booléennes, des valeurs vraies ou fausses. Donc, on a le égal, le différent de, le plus grand, le plus petit, le plus grand ou égal, le plus petit ou égal. Ça va être utilisé avec les. Euh, voyons. Les. Structure de contrôle conditionnelle, les IF, hein, les SI. On a aussi des opérateurs logiques conditionnels. Donc, on va avoir la possibilité de combiner plusieurs opérateurs logiques ensemble. Donc, si je veux savoir qu'un élément est plus grand que 10, mais je veux aussi qu'il soit plus petit que 20, je peux avoir une seule expression. Qui va utiliser les opérateurs logiques. Donc, on a le et et le ou qui vont me permettre de euh, travailler avec si les deux côtés sont vrais, le résultat du et est vrai. Puis, avec le ou, si n'importe quel des deux côtés sont vrais, le résultat est vrai à son tour. On a aussi l'opérateur ternière. Donc, l'opérateur ternière, ça va nous permettre d'avoir une conditionnelle à l'intérieur d'une seule opération. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez moins vu. Donc, on va voir tantôt le if, là. Hein, Où c'est qu'on a le if? On a une condition. Puis après ça, on a euh, à l'intérieur un premier élément. Puis après ça, on a un else avec un deuxième élément ici. Ben, le principe, c'est si la condition, son but, c'est d'assigner une valeur. Puis que sinon, c'est d'assigner une autre valeur. À place d'avoir à écrire cette version-là, qui est quand même assez longue, on peut avoir une seule opération okay, qui va avoir la condition directement, un point d'interrogation, la première valeur si la condition est vraie, puis la deuxième valeur si la condition est fausse. Donc là, ici, je n'ai pas mis c'est quoi la condition, je n'ai pas déclaré x c'est pour ça que ça me donne des erreurs. Mais la prémisse, c'est que si j'ai une, une condition qui mène à une assignation, puis un sinon qui mène à l'assignation de la même variable, je peux à la place utiliser okay, l'opérateur ternière de condition qui me permet d'avoir la condition directe, un point d'interrogation, la valeur si c'était vrai, deux points, la valeur si c'était faux. Donc ça me permet d'avoir une version beaucoup plus compact d'une condition simple. On peut faire euh, des conversions arithmétiques. Donc, on avait le convert, là, mais des fois, si c'est un résultat qu'il faut qu'il soit converti d'un type à un autre, on peut utiliser okay, ce qu'on appelle le type casting qui me permet de forcer une valeur à prendre une autre forme. Donc, pour faire du typecasting, casting, on peut avoir le nom du type entre parenthèses devant une autre valeur d'un autre type. Donc, ici, j'utilise la méthode euh, mat.pow de moi, je veux du C-Sharp. Donc, en enfin, fait, je vais aller regarder la documentation officielle. Toujours plus intéressant. Donc, euh, pao prend deux doubles et retourne un double. Fait que si je veux mettre ça à l'intérieur d'un int, ben, un double puis un int, ça peut être semblable, mais c'est pas nécessairement la même forme. Donc, euh, quand lui retourne un double, je veux être capable de convertir son type pour que ça fitte. Donc, je peux utiliser le nom du type entre parenthèses pardon, pour faire une conversion de type. Ça, euh, c'est bon. On continue. On a le principe d'affichage. Donc, on a utilisé hein, le right line. Donc, le right line me permet de faire l'affichage d'une chaîne de caractères avec un saut de ligne. Je suis aussi capable d'avoir juste le write tout seul, donc le write tout seul du texte. La différence avec le write line, c'est que le write va avoir aucun saut de ligne entre les deux. Donc ici, j'ai chacun des éléments que j'écris qui est sur une ligne. Puis après ça, quand j'écris les deux, ça va être okay, sans saut de ligne implicite, ça va rester sur la même ligne. J'ai une question de Saja. Ah oh oui, bonjour. Euh, juste une question euh, pour la conversion. D'habitude, mm -hmm. on utilise euh, dot end, dot to end, ou bien euh, .to-double. C'est la même chose euh, Le convert, oui, va faire la même chose. Celui-là permet d'avoir, quand on fait des conversions arithmétiques, d'être un petit peu plus rapide. C'est sa seule différence. D'accord. Donc, on peut utiliser les deux. Exact. D'accord. Oui, merci. Ici, je suis certain que tu bon. Et ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Okay. Parfait. Donc, on a euh, donc, la méthode write aussi qui existe, qui permet de faire euh, de l'écriture sans saut de ligne. On a aussi certaines autres méthodes là, qui me permettent de euh, faire euh, de la gestion de la console, comme des choses comme clear, qui vont me permettre d'effacer la console courante, puis de garder juste qu ce qui reste par la suite. Donc, Clear me permet d'effacer de, le contenu courant. Donc, on voit ici que les autres éléments précédents ne sont pas écrits, seulement les sont disponibles. On va aussi avoir euh, à l'intérieur des chaînes de caractères le principe de séquence d'échappement. Donc, par défaut, on a dit que nos chaînes de caractères sont délimités par des doubles guillemets. Bien, quand je veux faire afficher des choses qui vont avoir un petit peu de misère, comme des doubles guillemets, comment est-ce que je fais pour afficher un double guillemet à l'intérieur d'éléments qui sont des doubles guillemets Donc, euh, ici, un exemple. Et ici, je veux un double guillemet, double guillemet ici là. Si je le mets, le principe, c'est que, puisque il à l'intérieur, il va penser que c'est la fin. Donc là, il essaye d'en partir un nouveau, puis là, il n'est comme pas content. Fait que, il n'aime pas les choses. Fait on, va essayer, on va trouver comment afficher des doubles guillemets, mais avant, je vais prendre la question de Hamid. J'ai la question sur l'avant. La Quand tu as fait le console write mm -hmm. sur le live, si on fait juste, pour une raison ou pour une autre, on fait juste faire le console write. Mais on veut par la suite l'obliger à sauter la ligne mm -hmm. sans utiliser le console right line. C'est quoi qu'on doit faire? Mm -hmm. euh, si tu me laisses quelques instants, je vais continuer okay. puis on va tomber là-dessus. Bon, je bon. vais prendre ta question en suspens puis on va aller la voir dans quelques instants. Okay. Okay, merci. Donc euh, on revient. Euh, on voulait afficher le caractère double guillemets, mais le caractère double guillemets, c'est un caractère spécial. Ça délimite. Les, euh, les éléments d'une chaîne de caractères. Fait que comment est-ce que je fais pour euh, mettre un double guillemets à l'intérieur de double guillemets? Je peux utiliser un caractère d'échappement. Donc, euh, le caractère d'échappement me permet de dire ce caractère-là qui est habituellement compliqué ou habituellement spécial je veux qu'il ne soit pas spécial à ce moment-là. Donc, le caractère d'échappement, c'est le backslash. Donc, si je mets un backslash devant un caractère qui est habituellement spécial, il va devenir pas spécial. Donc, ici, je l'exécute et j'ai maintenant, OK, le double guillemet directement dans ma chaîne. Inversement, le backslash peut être utilisé pour dire à un caractère qui est habituellement pas spécial qu'il devienne spécial. Donc, l'exemple le plus typique de ça, ça va être le caractère backslash n. Donc, le caractère backslash n à place d'être juste un n devient un saut de ligne donc on peut voir ici j'ai une ligne j'ai le backslash puis là j'ai autre ligne qui est sur l'autre ligne donc le caractère backslash n, ça je pense que ça répond à ta question mid ça nous permet de faire des sauts de ligne à l'intérieur d'un write normal. Donc, je pourrais aussi le mettre à la fin ou au début, hein, puis ça fait des sauts de ligne euh, entre temps. Ici, hein, on peut voir qu'il y a un espace qui apparaît de plus. Pourquoi est-ce qu'il y a un espace ben, En fait, c'est moi qui l'ai écrit. Hein, donc, après le backslash c'est le saut de ligne, j'ai mis un espace. Fait que si je voudrais que ça soit collé, faudrait que le backslash ici, il n'y ait rien. En fait, même principe après le une ligne. Là, j'ai un espace de plus après. Donc, le backslash N peut être collé avec le reste. Hein. C'est le caractère spécial. Il va être utilisé directement. Dans les caractères qui peuvent être échappés, okay, on a une petite liste. Là. Donc, on a les single quote » et double quote ». On a ici le backslash N pour le new line. Dans les autres éléments qui sont intéressants, si je veux avoir un backslash. Ben en fait, il faut que j'écrive deux backslash pour avoir un backslash. Hein, parce que le backslash permet d'avoir quelque chose de spécial. Il faut que lui-même soit utilisé. Donc, on a le principe de euh, séquence d'échappement à l'intérieur de nos chaînes de caractères. On a aussi le principe d'interpolation de chaînes. Donc, souvent, on va vouloir construire une chaîne de caractères avec différents éléments à l'intérieur. Donc, euh, ici. Donc, on peut utiliser de la concaténation. Donc, si j'utilise de l'addition à l'intérieur d'une chaîne, je peux faire de la concaténation. Ça va automatiquement convertir les éléments en chaîne de caractères. Puis, euh, ça va venir le coller à l'intérieur de. Si on met un autre backslash pour que ce soit un petit peu plus lisible. ici je peux voir le nombre est j'ai la valeur du nombre qui a été concaténée. Hein, donc concaténée c'est une version de coller des bouts de texte ensemble. Puis après ça je concatène le plus pour que ça soit derrière. Mais à place d'avoir à fermer, OK, ta chaîne de caractères, de pouvoir faire des additions, ben, des concaténations, de repartir par la suite avec d'autres, on a utilisé euh, une syntaxe améliorée. Il y a maintenant une syntaxe améliorée qui permet de faire de l'interpolation de chaînes. Donc, pour utiliser cette syntaxe améliorée-là, il faut le dire qu'on utilise cette syntaxe améliorée. Donc, on va utiliser le signe de dollar suivi de double guillemets. Donc, ça, ça me permet d'utiliser des chaînes de caractères avec des interpolations à l'intérieur. Donc, je veux écrire la même chose, le nombre est, point d'exclamation, puis là, ici, je veux mon nombre, mais le nombre, je ne veux pas que ce soit le texte, nombre, je veux que ce soit l'évaluation de l'expression qui est là. Donc, quand je suis dans une chaîne interpolée, avec le signe de dollar à l'avant, je peux utiliser des accolades pour dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des accolades, ça ne fait pas partie de la chaîne, ça fait partie d'une évaluation. Je veux que tu mettes le résultat de cette évaluation-là dans la chaîne okay, que j'avais. Donc, on peut voir ici, ça nous donne le même résultat les deux, okay, mais pour la majorité du monde, celui-là va être plus concis, okay, va être plus explicite à qu'est-ce qu'on s'attend, qu'est-ce qu'il va avoir, qu'est-ce que ça nous donne. Donc, on a l'interpolation chain chaîne, signe de dollar, accolade, information à l'intérieur. Euh, parfois, on va vouloir avoir dans notre programme une saisie. Donc, on veut saisir du texte qu'on va pouvoir convertir en nombre ou ainsi de suite. Donc, pour faire la saisie, c'est une autre méthode à l'intérieur de console. Donc, on va avoir le readLine. Donc, le readLine va nous donner un arrêt dans notre programme et le programme va attendre une saisie de l'utilisateur. Donc, c'est à moi de venir dans la console, de venir taper du stock. Ceci est ma saisie. Puis, quand je paye sur Enter, cette information-là est envoyée à, au retour du ReadLine. Donc, le ReadLine peut ensuite être... OK, sauvegarder dans une variable de type string. Puis on peut ensuite réutiliser cet élément-là plus tard. Et ça, ce, c'est bon, ça, ce, c'est bon, ça, ce, c'est bon, ça, ce, c'est bon. Si euh, la saisie est une valeur numérique, donc si je saisis un 34 que je veux utiliser comme valeur numérique 34, il ne faut pas oublier de faire la conversion. Donc, utiliser notre méthode convert qui va être capable de euh, travailler avec. Ok. On s'en va ensuite dans les structures de contrôle. Donc jusqu'à présent, on a fait du code, on a écrit des instructions. Les instructions étaient séquentielles, okay, c'était une procédure, puis on ne pouvait pas dévier des différentes instructions. Mais souvent, il va falloir prendre des décisions pour prendre des décisions. Et il faut être capable de diverger dans nos instructions. C'est-à-dire que si je fais telle chose, ben, il va faire telle affaire, sinon il va faire telle autre affaire. Donc, on va avoir euh, comme élément possible une conditionnelle. Donc, la conditionnelle, son but, ça va être de euh, nous donner une condition possible, puis si la condition est remplie, on s'en va faire une première variation du code. Si la condition n'est pas remplie, ça va faire une autre variation du code. Donc, euh, comment est-ce que ça fonctionne, la conditionnelle? On a le mot-clé if. On a entre parenthèses une expression booléenne. Donc, euh, une expression, hein, c'est n'importe quoi qui est évalué comme étant une réponse. Ben, une expression booléenne, c'est un sous-ensemble de ça qui demande que l'expression soit un résultat booléen, que ce soit un vrai ou un faux. Donc, il faut ultimement là, que ce soit un type boule qu'on utilise quelque part, habituellement, une, une opération relationnelle plus grand que, plus petit que, euh, inversion pour être capable d'avoir un résultat. Fait on a ensuite des instructions. Le principe, c'est que quand on teste la condition, quand on teste l'expression booléenne, si cette expression booléenne-là est vraie, on s'en fait le bloc d'instructions. Sinon, on saute par-dessus. On a avec le if une panoplie de différentes variantes. Donc, on peut avoir à la fin complètement du if un else hein, qui a son propre bloc de code. Donc, chaque bloc de code est à l'intérieur d'accolade. Donc, je peux avoir avec le if un else qui va faire en sorte que si aucune des conditions euh, ne fonctionne pas, on s'en va à celui-ci. Puis, on peut avoir de 0 à une infinité de. Else if, qui va nous permettre d'avoir des conditions supplémentaires avec euh, notre if euh, dans notre euh, condition. Avec le principe, c'est que ça va tester le premier. Si le premier est bon, on fait cela, là on n'en fait aucun autre. Hein. Toutes les blocs d'instructions sont mutuellement exclusifs. Donc, euh, si le premier est fait, ça va bien, on le fait. Si la première condition n'est pas bonne, on s'en va tester la deuxième. Si elle n'est pas bonne, on s'en va tester s'il y en a d'autres. Puis s'il n'y en a aucune de bonne, on s'en va faire le else. Donc, le else et les else-ifs sont facultatifs. Le else, il y en a juste un qui est à fin. Les else-ifs sont dans le milieu, puis on peut en avoir une infinité. Ils vont être testés de manière séquentielle. C'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On a une particularité quand on travaille avec les structures de contrôle conditionnelles. Donc, on a le switch qui a euh, la possibilité de tester une seule variable. Donc, quand j'ai une structure qui demande de tester, ben, est-ce que x est égal à 7 ou est-ce que x est égal à 12 ou est-ce que x est égal à telle affaire, on peut à la place utiliser le switch. Qui me permet de regarder la variable, puis dépendamment de la valeur de la variable, aller dans un des cas, okay, donc le case, puis après ça, ici, c'est une valeur que tu veux mettre. Donc, on, ben, en fait, c'est une expression. Là, donc, le résultat ici va me permettre de dire, ben, si c'est ce cas-là, va faire ce bloc d'instruction-là. On a un principe de fall-true qu'on appelle, donc par défaut, si je mets rien de spécial, il va continuer à faire tous les cas un après l'autre. Si je veux dire, ben, fais le cas 1, puis après ça, sors de là. J'utilise l'instruction break pour dire, ben, une fois que tu as fini le cas 1, sors immédiatement. Sinon, si je n'ai pas le break, il va venir aller faire les autres instructions des autres cas, même si le cas n'est pas rempli. Et ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Fait qu'on a la structure de contrôle conditionnelle, le IF, qui me permet de prendre des décisions. On a une deuxième structure de contrôle, la boucle, le WHILE et le FOR, qui me permettent de répéter des instructions. Donc, on appelle ça des structures de contrôle itératives, des boucles. Donc, on a deux types de boucles. La première, qui est la plus simple, parce qu'elle ressemble au IF, qui est le WHILE. Donc, le WHILE va avoir la même prémisse que le if, on a une condition à l'intérieur, tant que hein, c'est ça que le while indique, tant que la condition est bonne, on va vérifier le bloc d'instruction qui est à l'intérieur. Donc, tant que la condition est bonne, on répète le bloc d'instruction. Ici, il faut faire attention quand on utilise un while parce qu'il euh, faut s'assurer que la condition peut changer hein, parce que sinon on se retrouve avec une merveilleuse boucle infinie. Le while va être relégué aux euh, opérations répétitives dont on ne connaît pas le nombre d'itérations, dont on ne sait pas d'avance il y a combien de boucles à faire. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on faisait des boucles, on faisait tout le temps la même chose. Vous savez qu'on avait un compteur, puis que le compteur augmentait, puis on regardait est-ce qu'on est rendu à tel numéro, à telle itération. Okay, on, quand on parle d'itération, on parle de tour de boucle. Donc, euh, à telle itération de la boucle. Puis, euh, 99% du temps, on a besoin d'un compteur. Fait qu'on s'est dit, gars, à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une deuxième boucle. Puis, cette boucle-là va avoir à même sa configuration un compteur que je vais pouvoir utiliser plus facilement que le faire manuellement avec le while. Donc, on a une deuxième structure de contrôle itérative qui est celle-là qu'on va utiliser la majorité du temps qui est la structure de contrôle « for okay? », donc un « pour » en anglais, en français. Donc, la boucle « for » va avoir le principe de euh, « j'ai trois éléments à configurer. » Le premier élément, ça va être l'initialisation du compteur de la boucle. Donc, habituellement, on va déclarer une variable qu'on initialise à zéro. Ensuite, on va avoir... Oups, ici, c'est un console. Euh, J'ai relapsé en Java. Euh, ici, 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 puis on écrit. Ben. On va aller changer ça aussi en même temps. Donc, euh, on a euh, le principe de l'initialisation hein, qui demande... Que ça soit juste une déclaration d'une variable. Habituellement, on l'initialise à zéro. Ensuite, on a le deuxième élément qui va être la condition de test. Fait en fait, ça va être la même chose que qu ce qu'on avait dans euh, le while. Ça va être la condition. Tant que la condition est remplie, je vais continuer la boucle on a finalement l'incrémentation. Donc l'incrémentation, la prémisse, c'est qu'on va avoir à chaque fin d'itération, à chaque fin de notebook, cette instruction-là qui va être exécutée. Donc habituellement, cet élément-là va être une incrémentation, habituellement en utilisant l'incrémentation euh, du plus-plus donc l'incrémentation unaire pour être capable de euh, d'avoir une boucle qui s'initialise a une condition de sortie et a quelque chose qui change la possibilité d'avoir la condition de sortie donc on a cette configuration là on a ici un exemple à gauche de l'exécution de cette boucle-là. Donc, on peut voir que le premier coup, ça a la valeur qui est initialisée. Ensuite, on a plusieurs itérations qui s'exécutent. Entre chacune, c'est l'opération d'incrémentation qui vient modifier la valeur du compteur. Puis, on a ensuite le... Euh, quand est-ce que ça se termine? Bien, quand la condition ne fonctionnera plus. Donc, quand j'incrémente, puis que je suis rendu à 10, je peux voir que le résultat n'apparaît pas. Et euh, si, mettons, je fais un dernier, enfin, fait, il n'existera pas à ce point-là. Donc, euh, avant que j'arrive à 10, parce que ici j'ai mis plus petit. Donc, tant que i est plus petit que 10, je vais faire le contenu. Si je voulais le mettre jusqu'à 10, hein, je pourrais changer ici le type de condition. Pour être capable de l'afficher jusqu'à 10 directement. C'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc euh, la boucle FOR, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces éléments-là, c'est des, euh, des expressions. Hein. Donc euh, je peux avoir une déclaration, je peux avoir ici une comparaison, mais ici, ça peut être une comparaison avec des variables, des calculs, des appels de fonctions, n'importe quoi qui va tester. Puis je peux avoir ici encore une fois une incrémentation mais n'importe quelle autre expression possible, un autre appel de fonction qui change des conditions, des choses comme ça, c'est euh, le principe de la boucle for. Donc euh, la boucle for je euh, vais l'utiliser dès que je suis capable de calculer hein, le nombre de boucles pour être capable d'avoir la configuration de mon compteur. Qu Ce qui va être intéressant aussi, c'est que je vais avoir un compteur de boucles. Donc, je vais savoir à quelle itération je suis rendu dans mon programme. On a la possibilité, donc, on a vu le break avec le switch on a la possibilité d'utiliser les deux mots-clés break et continue avec des boucles aussi. Donc, l'instruction break va me permettre de sortir de la boucle courant. Donc, ça va être majoritairement utilisé quand je veux faire de la validation. Okay, donc, je rentre dans un while, puis là, je dis, ben, tant que la machine ne s'en va pas exploser, je continue. Mais si la machine s'en va exploser, fais un break, sors de la boucle, commence à faire autre chose. Donc, euh, habituellement, le break me permet d'avoir une condition spéciale qui permet de facilement sortir de la boucle. On va aussi avoir le continue. Le continue, lui, va aller à la prochaine itération directement, sans faire le restant des euh, opérations, sans faire le restant des instructions. Donc, le continue est utile quand j'ai, mettons, un, une condition. Puis, si la condition est remplie, je n'ai pas besoin de faire le restant des calculs. Ben, à la place d'avoir un if-else, je peux avoir un if-continue puis avoir ça indenté normalement okay, pour que ce soit un petit peu plus lisible. Donc, le break et le continue, c'est des outils qui sont intéressants qu'il ne faut pas utiliser à outrance, là, qui sont là pour nous aider à augmenter la lisibilité de notre code. Et voilà, j'ai changé ça, rafraîchi, on est bon. Parfait, donc euh, il nous reste une petite dernière section, puis après ça on va pouvoir commencer les euh, exercices, mais avant de faire ça... On est à un excellent moment pour prendre une deuxième petite pause. Donc, on va se prendre une autre petite pause de 10 minutes. On va revenir à 10 heures pour aller regarder notre dernière section sur les tableaux et les méthodes pour ensuite commencer les exercices de la journée. Donc, on se prend une petite pause. On dit retour. Oh, avant ça, j'ai une question de Ricardo. Uh, salió plus que un question se potente un un demand mm -hmm. uh, en confe, fait, oui, uy la partita habló sé que el question que que llamaré meree a ganforcer plus las es un febles de de de, de moncotel así si sale si un mood de ganche pa esa de ganche pa el grupo no pensé con que lleve suan plus de de trabajar sobre la partita habló de la comprensión no potente de ese ejercicio plus eh, graduels no OK, OK. Oui. Je vais faire attention quand on va revenir euh, de la pause. Euh, C'est bien faire ça graduellement pour cette partie-là. Merci. Super. Donc, euh, pause, retour à 10 heures. À tout de suite, tout le monde. On t'est donc rendu à regarder les tableaux. Donc, jusqu'à présent, on avait le principe de variable hein, qui me faisait une boîte en mémoire dans laquelle je pouvais mettre des informations, puis je pouvais aller réutiliser les informations par la suite. Ben, souvent, on va avoir besoin d'avoir une panoplie d'informations. Si admettons, je veux sauvegarder et trouver la moyenne de toutes les euh, la moyenne de la classe, ben, il faut que j'aille une vingtaine, une trentaine de valeurs. Puis, si j'ai besoin de créer une variable pour chacune de ces valeurs-là, ça va devenir fastidieux de manière assez rapide. Non seulement ça, si j'ai une classe avec 23 étudiants, puis j'ai une classe avec 30 étudiants, puis j'ai une classe avec 17 étudiants, il me faudrait un programme spécifique pour chacune des tailles de classe. Donc, à la place de faire ça, on va avoir le principe de tableau. Donc, euh, les principes des tableaux, puis on va voir une version plus avancée là, durant euh, l'étape-ci. Euh, le principe de tableau, ça va être une structure de données. Donc, euh, une structure de données, ça va me permettre de, ça le dit dans son nom, là, structurer des données. Donc, euh, le tableau, c'est la version où je vais avoir des cases pour chacune des valeurs. Les cases vont être numérotées à partir de zéro, puis je vais pouvoir aller mettre dans chacune des cases. Une valeur distincte. Puis qu'est-ce qui va être intéressant? C'est que ce tableau-là, cet amalgame de valeurs-là, va être identifié par un seul identificateur. Donc, je vais avoir une variable qui va être un tableau. Puis dans le tableau, je vais avoir plusieurs cases d'informations que je vais pouvoir utiliser. Fait que pour être capable d'utiliser un tableau, et il va falloir utiliser un peu de qu'est-ce qu'on va voir en fait plus tard qu'on va comprendre pourquoi est-ce qu'il faut utiliser ça. Mais quand on fait la déclaration d'un tableau, il y a quelque chose de plus à faire. Donc, premièrement, quand on déclare un tableau, il faut dire que c'est un tableau. Puis, il faut dire aussi que les cases du tableau vont être de tel type, de un seul type. Donc, un tableau va être une panoplie de cases. Puis, les cases vont être de type Homogène. Ça dire que ça, tout ça soit du même type. c'est que je peux créer un tableau, puis à l'intérieur du tableau, on va l'appeler nombre. Puis pour déclarer le tableau, je vais utiliser une nouvelle syntaxe qui va être la syntaxe new. Donc, la syntaxe new, ça va être une syntaxe en fait qu'on va voir plus tard là, avec l'utilisation de la programmation orientée objet. Mais le principe, c'est que c'est ça qui va préparer le système, déclarer la variable en mémoire pour être capable de l'utiliser par la suite. Fait qu'on utilise le new, on utilise le nom du type, puis entre crochets carrés, on va aller indiquer la taille du tableau. Donc la taille du tableau, OK, va être indiquée par la suite. Fait que ça ici, ce que ça vient de créer, ça vient de créer un tableau nombre. Puis à l'intérieur, j'ai okay, les cases 0, 1, 2 et 3. Okay? Donc, ce n'est pas les valeurs en ce moment-là. Okay, C'est les cases. J'ai juste mis les numéros de cases. Je n'ai pas encore de valeur à l'intérieur de ça. Donc, on peut aller travailler avec des tableaux d'un certain nombre de cases. Pour l'instant, les tableaux. Ils vont être statiques. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que tu ne peux pas modifier la taille d'un tableau une fois qu'il a été créé. Encore une fois, on va voir d'autres structures de données durant ce cours-ci qui vont nous permettre d'avoir des euh, structures qui ressemblent à des tableaux, des structures avec des cases numérotées, mais qui vont avoir euh, du dynamisme. On verra ça en temps et lieu. Mais le principe, c'est. Euh, on a déclaré notre tableau, on est maintenant capable de commencer à travailler avec les informations avec les cases dans le tableau. Donc comment est-ce que je fais pour aller travailler avec les cases dans le tableau Ben, je vais utiliser le nom du tableau avec des crochets carrés pour spécifier la case que je veux utiliser. Est ici, fait qu'on a ici nombre. Il faudrait que j'écrive nombre correctement. Après ça, si on fait un console right line, puis que euh, j'écris nombre j'ai 2. Donc, euh, le principe c'est que j'ai été dans la case numérotée 2. Donc, j'ai été dans la case qui était ici. On se souvient qu'il y a quatre cases numérotées de 0 à 3. J'ai été dans la case numérotée 2, puis j'ai été mettre la valeur 99. OK, fait ici, les données, en ce moment, je viens d'aller... Dans le premier, il n'y a rien en ce moment, 2. Je viens de mettre 99, puis il n'y a rien ici. Donc j'ai pu aller mettre un élément. Donc, je peux utiliser la syntaxe qui me permet d'aller assigner dans la case d'un tableau avec les crochets carrés, puis en indiquant l'index euh, qu'on appelle, donc la case du tableau. Puis, après ça, on a la valeur que je veux assigner à l'intérieur. On a ensuite l'utilisation, euh, hein, donc si je veux l'utiliser dans une expression on va avoir le même principe où c'est que j'ai le nom du tableau puis euh, le numéro de la case entre crochets carrés. Donnez-moi juste un petit instant. Oh. OK. On a la possibilité. Là, il faut faire attention, OK? Parce que quand on travaille avec un tableau, on travaille directement avec les cases. Euh, si j'essaye d'afficher au complet le tableau en tant que tel, il n'est pas capable de représenter ça. Les raisons pourquoi derrière, là, ici, je viens de faire juste un right line de nombre, là, puis ça me dit que c'est un système in 32 crochets carrés. Donc, ça me dit que c'est un tableau, mais ça ne va pas me dire c'est quoi le contenu du tableau. Donc, euh, par défaut, en ce moment, on est en train d'être avec des objets qu'on ne sait pas trop encore comment ça fonctionne, c'est qu'on a euh, des limitations auxquelles il faut faire attention. fait que nous, on peut travailler avec les différents éléments. Si j'essaie d'exécuter ça, on peut voir que si j'essaie d'accéder à une case qui n'a pas encore été initialisée, la case va être initialisée à une valeur nulle par défaut. Donc, j'ai le principe. Je déclare un tableau, okay, avec le int ou en tout cas le type que je veux. Crochet carré vide. Ensuite, j'ai une assignation. Il faut que je fasse une assignation spéciale, okay, pour euh, faire la gestion de la mémoire. Donc, j'utilise un nouveau mot clé, qui est le new, le mot clé new, avec le même type puis entre crochet carré le nombre de cases que je veux avoir. Ici, le nombre de cases, c'est une expression que je peux mettre ici. Là. Fait que je pourrais décider plus haut avec une saisie, avec une fonction, c'est quoi le nombre de cases, utiliser une variable à la place là, ça fonctionnerait quand même. Même principe, quand euh, je sélectionne une des cases, l'information ici, le numéro de la case sélectionnée, il faut que ce soit un indice, donc une valeur entière, mais ici, c'est une, euh, une expression. OK? Donc, je peux utiliser n'importe quelle expression. Encore une fois, hein, quand je dis expression, c'est très large. Ça peut être une valeur directe, ça peut être euh, le résultat d'une variable, ça peut être l'appel d'une fonction qui retourne une information. Puis, on a les différentes possibilités derrière ça. On a la possibilité euh, d'initialiser un tableau avec des variables prédéfinies ou en tout cas des variables littérales. Donc, on a ici un deuxième type de déclaration. Donc, ici, on se déclare un autre type de tableau, un type euh, double. Yep. Okay. Puis, à l'intérieur, on va avoir... Euh, oops, ici, pas le bon mot que ce soit double. On va aller corriger ça. Donc, on a le, euh, une déclaration, donc avec le double crochet carré. On a le égal, on a le new double crochet carré, mais là, je ne mets pas de euh, valeur à l'intérieur. À la place, ce que je fais, c'est que j'ouvre des accolades. Puis, je vais mettre toutes les valeurs que je veux avoir à l'intérieur. Donc, ça, ça va me créer un tableau de trois cases. Puis les trois cases vont avoir respectivement les valeurs 45.4, moins 56.43, puis 34.6. Si, Laissez-moi mettre la correction en ligne. Comme ça, ça va être prêt pour vous. On a donc la création de tableau, la création de tableau avec un nombre de cases, la création de tableau avec des valeurs initiales. Après ça, je peux commencer à travailler avec le tableau, aller chercher les valeurs à l'intérieur. La majorité du temps, ce qu'on va vouloir faire, c'est parcourir les valeurs du tableau. Donc, pour parcourir les valeurs du tableau, on va avoir euh, la boucle for. Ça c'est bon, c'est bon, ça c'est bon, bon. Ici. Donc, pour parcourir, je pense que j'ai mis un L minuscule, un L majuscule. Ouais. Donc, je peux aller chercher, OK, le, 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 la prémisse habituelle, là, où c'est que je vais aller regarder de 0 jusqu'à la taille, hein, parce que si j'ai une taille de 4, moi je vais aller de 0 à 3, fait que je veux que ce soit plus petit, puis on a une incrémentation à chaque fois. Donc, euh, je peux facilement parcourir, OK, mon tableau en disant, je vais chercher la... Case 0, hein, parce que je peux utiliser une variable ici. Puis, ça l'incrémente. Fait qu'après ça, ça va chercher la case 0, la case 1, la case 2, où c'est que j'ai mis mon 99, et la case 3. Puis, ça continue tant que je n'ai pas atteint. Ben, en fait, tant que le i est plus petit que la taille du tableau. Donc, la taille est 4. Tant que je suis plus petit, je vais arrêter à 3. Donc, je vais aller faire tous les différents indices possibles. Donc, la majorité du temps, on va vouloir parcourir le tableau. On peut utiliser la boucle « for » pour être mais capable pour, de faire ça. Mais pourquoi elle a affiché cinq éléments? En ce moment, c'est parce que j'ai un autre console right « line juste au-dessus. Ah, d'accord. Bonne question. On a ensuite une boucle euh, améliorée pour être capable de parcourir des... Euh, pour parcourir les, euh, les, les les tableaux on a le for each donc euh, le for each donc on va l'enlever le notre élément donc on va juste faire un console right line que je vais mettre l'élément puis là en ce moment moi j'ai remarqué nombre de donc euh, on va avoir une variation du for qui est le for each. Donc le for each est fait pour parcourir les structures de données qui ont plusieurs éléments, comme les tableaux. On va voir qu'il y en a d'autres, mais la première qu'on voit, c'est les tableaux. Donc, le for each, hein, qui n'est pas juste for, c'est for each. On a entre parenthèses la, euh, la configuration du parcours des éléments. Donc, je me crée une variable qui va, être, qui va représenter chacun des éléments de mon tableau. Donc, je veux que le premier coup, ça va être cette valeur-là, le deuxième coup, ça va être cette valeur-là, le troisième coup, ça va être cette valeur-là. Puis après ça, j'ai le mot-clé in. Puis après ça, j'ai la structure de données que je vais vouloir parcourir. Fait que là, lui, il va aller parcourir cette structure de données-là. Puis pour chacune, chacun des éléments, il va venir l'assigner dans cette variable-là que Je peux commencer à l'utiliser puis avoir les résultats ici. Fait que le for each est plus simple à écrire, mais il y a quelques petites lacunes euh, qu'il faut faire attention. Premièrement, la valeur qui est sauvegardée ici, là, elle est éphémère. Ça veut dire qu'elle va juste exister à l'intérieur de la boucle. Si je la modifie, ça ne va pas changer la valeur qui est dans le tableau derrière. La deuxième chose avec le for each, c'est que je aucune manière de savoir. Je suis rendu à quelle itération de la boucle, puisque je fais juste recevoir les valeurs une après l'autre. Donc, si j'ai besoin de savoir un nombre d'itérations où je suis rendu dans le tableau, le for each n'est pas la bonne chose. Mais on peut aller chercher des euh, éléments quand je veux juste parcourir, vérifier chacune des valeurs, trouver une somme. Euh, le for each est euh, extrêmement efficace. Fait que si c'était le principe de tableau à une dimension, est-ce que ça va pas pire pour ça? Ou est-ce qu'on veut un petit peu plus explorer les choses? Excellent. On a aussi le principe de tableau à multiples dimensions. Donc, on est capable d'avoir des tableaux... De deux dimensions. Donc, un tableau de une dimension, c'est comme juste sur une ligne. Là. Mais après ça, on a des tableaux de lignes et de colonnes différents. OK? Donc, des tableaux de multiples dimensions, c'est sensiblement la même syntaxe. C'est juste qu'à l'intérieur des crochets carrés, on va rajouter des virgules pour indiquer qu'il y a plus qu'une dimension. Donc, si je regarde ici, la déclaration a une virgule pour dire qu'il y a une patente avant, une patente après la virgule. Quand je déclare la taille, il faut que j'aille deux dimensions. Quand on a des euh, tableaux de multiples dimensions, en passant, la convention nous dicte que c'est toujours ligne-colonne. Donc, euh, ligne en premier, colonne en deuxième. On a le même principe. Je peux aussi avoir une... Euh, déclaration directe des valeurs. Donc, là, ici, je l'ai juste écrit pour que ce soit plus clair, là. mais le principe, c'est que j'ai des accolades dans des accolades, hein, pour dire ben, « j'ai des lignes, puis dans chacune des lignes, j'ai différentes colonnes. Hein. » Donc, ici, j'ai le tableau 1, 2, 3, 4, là, comme si c'était dans Excel. Je serais capable de travailler avec. Puis, quand je vais vouloir accéder à ces valeurs-là, ben, ça va être le même principe, je vais avoir le nom du tableau, puis je vais avoir les crochets carrés, mais à la place d'avoir juste une valeur, je vais avoir deux éléments délimités par une virgule. Là, pour être capable de parcourir ce tableau-là, à la place d'avoir le length avec un L majuscule, on va avoir le getLength pour savoir les tailles des dimensions. Donc, le principe, c'est que j'ai un nombre de lignes, j'ai un nombre de colonnes, ça se peut que ce soit différent. Ben ici, je peux aller chercher le nombre de lignes, chercher le nombre de colonnes, puis avoir deux boucles imbriquées l'une dans l'autre pour aller chercher toutes les permutations possibles de numéros de lignes et de numéros de colonnes pour être capable d'aller afficher la bonne information. Parfait. J'ai une que question de peux Hamza. Faire... Oui, juste euh, sur l'affichage, je vois quand euh, Lightline, euh, dollars et quatre. Euh, Est-ce que c'est l'espace entre les éléments ou... euh, ici? Ouais. Si ouais, on le fait là. L'espace. Bonne que question. C'est une euh, un outil d'affichage. Donc, euh, j'ai en ce moment le tableau ici là. Ouais. Puis, euh, j'ai bon, deux boucs imbriqués l'une dans l'autre, j'ai le console write. J'utilise ici l'interpolation de chaîne euh, avec le signe de dollar W. C'est euh, ouais. ça. Mais là, ici, c'est ça. C'est ça, C'est le nombre d'espaces minimum entre chacun pour cet élément-là. D'accord, c'est que pouces. Ça dit que même si j'affiche un, ça va prendre 4 espaces. D'accord. Que ça permet en fait d'aligner les éléments. En disant que ça prend quatre espaces, ça assure que les éléments sont automatiquement alignés. Merci. Parfait. Fait que ça, ça fait le tour de notre tableau. J'ai une autre question de Aldo. Oui. Que, euh, tu peux répéter un peu, un peu plus le, où est-ce qui est marqué euh, new int euh, 10,2, s'il te plaît? Oui, certainement. Donc, euh, le principe, c'est que quand on déclare un tableau de multiples dimensions, okay, il faut déclarer la taille de chacune de ces dimensions. Fait que pour un tableau de deux dimensions, il va falloir déclarer le nombre de lignes, puis pour chaque ligne, le nombre de colonnes. OK? que quand ici je déclare le new int je dicte qu'il va avoir 10 lignes et pour chaque ligne il va avoir deux colonnes c'est pour un tableau exact OK donc c'est purement pour un tableau on a ici un autre tableau de deux dimensions celui-là il y a deux lignes deux colonnes plus standard OK mais si mettons je changeais les choses puis que je rajoutais un autre valeur ici élément euh, important par contre, quand je crée des tableaux de multiples dimensions, il faut absolument que les dimensions soient rectangulaires, hein, qu'il y ait le même nombre de lignes puis de colonnes euh, pour euh, chacun des éléments. Je ne peux pas avoir une ligne à deux colonnes puis une autre ligne à trois colonnes. On ne peut pas faire ça avec les tableaux. Si j'ai un exemple, c'est que j'ai deux lignes, trois colonnes, et on a le résultat qui est affiché par la suite. J'ai une autre question de Ricardo. Oui, euh, dans, la, dans la ligne numéro 5, c'est 13, 12, mais ça c'est un Q, n'est-ce pas? Ça, euh, ben, ici c'est juste une ligne de mon tableau que je suis en train de définir. Ah, ok. Et, et l'autre c'est. C'est les... la deuxième deux... ligne. Oh, ok, ok. Je croyais que c'était deux tables. Non, c'est ça. Ici c'est juste, je l'ai mis sur. Plusieurs lignes juste pour que ça soit plus clair que d'écrire ça de même. Oh, OK, OK. OK, mais c'est toute la même instruction. Là. Le point-virgule, il est juste à la fin ici. OK. Hum. Est-ce comme... est que tu peux répéter un comment il est là? Parce que pour moi, c'est un tableau, c'est deux dimensions. Mm -hmm. Mais ici, je vois trois, trois chiffres. 13, 12, Avec Le principe d'un tableau de deux dimensions, c'est qu'il va avoir. Plusieurs lignes, puis pour chaque ligne il va avoir un certain nombre de colonnes. Ok? Fait que le principe ici c'est que je déclare les valeurs de mon tableau. Ce que je vais faire c'est que je vais déclarer chacune des lignes de manière individuelle. Puis là à l'intérieur de une ligne, je vais déclarer chacune des colonnes de cette ligne là. Okay. Ici, la grande accolade me dit je déclare les, le contenu de mon tableau. Là après ça, j'ai deux blocs. Un premier bloc, virgule, un deuxième bloc. Ça me dit que j'ai deux lignes. Okay. Puis dans chacune des lignes, je vais avoir délimité par les virgules un certain nombre d'éléments, dans ce cas-là trois, qui vont indiquer que j'ai trois colonnes dans chacune oh, okay. de mes lignes. C'est un tableau à l'intérieur de l'autre. Exact. Ok, correct. Merci. Parfait. J'ai une autre question oh, non. Oui, Là, moi, c'est oui. euh, au niveau de, de la déclaration du tableau. On a mis comme un int, après crochet, crochet, on a mis une virgule, c'est ça? Exact. Pour dire okay. qu'on avait Est-ce qu'on est qu pouvait, peut-être, je ne sais pas si ça a été répondu, est-ce qu'on pouvait juste enlever la virgule et puis juste déclarer de même? Ou... Il faut obligatoirement, ouais, c'est ça, c'est en c'est maintenant tout rouge. <laughs> ah, OK. D'accord. Donc, il faut absolument déclarer le bon nombre de dimensions des deux bords. Autant de ce bar là que de ce bar là mm. On n'a pas le choix. Non, okay. Donc, avec ah, la ah, virgule oui. à l'intérieur des crochets. Exactement. Obligatoirement. Exact. Comme quoi C'est comme un tableau de trois lignes et deux, deux colonnes, c'est ça? Euh, c'est ah, l'inverse. Ben, deux, deux lignes et trois colonnes. Exact. Voilà. Il y avait aussi Samira qui semblait vouloir dire quelque chose. Oui. Il a répondu. Ah, C'est la même question. C'est ici donc à la ligne 3, C'est on a on a seulement deux lignes. Exact. Parce qu'on définit je toujours les que, lignes en premier. Je donc, croyais qu'on peut définir seulement deux lignes d'un tableau. On peut on en on déclarer autant qu'on voudrait. Là. Donc euh, si ça me si mettons je leur mets de la manière que je l'avais tantôt. Juste plus expressif. Je n'ai rien changé hein, de la syntaxe. Non, mais ici, c'est statique. Seulement, on ne peut pas euh, ajouter des lignes. C'est seulement, on a deux lignes et trois colonnes. Exact. Okay. Une fois que j'ai créé ça, je ne peux pas en rajouter. Oui, c'est ça. Okay. C'est bon, merci. J'ai une autre question de Saja. Oui, juste pour euh, l'affichage, console, mm -hmm. try, c'est quoi le 4? Ici, c'est à l'intérieur de notre accolade. Hein. Donc, à l'intérieur de notre accolade, on avait la possibilité d'avoir une évaluation. Mais On peut rajouter un deuxième élément avec une virgule qui va dire cet élément-là, là, je veux qu'il prenne au moins tant de nombre d'espaces. Donc, c'est ça qui me permet que, en fait, tous les éléments soient alignés en ce moment. Parce que ça dit que pour le premier élément, je veux qu'il prenne au moins quatre espaces. Même si j'écris un 3, ben, mm -hmm. il va quand même mettre deux espaces de plus pour que tout soit aligné. Parce que, mettons que je l'enlève. Oui, euh, je, je vais voir qu'est-ce qu'on a si on l'enlève. Ben, le principe, c'est que chacun des nombres vont être juste collés ensemble. C'est juste l'espace, c'est-à-dire. Exactement. C'est juste pour spécifier cette valeur-là que j'affiche. Que ça prenne mmh. ce nombre de caractères-là. S'il n'y en a pas assez, rajoute des espaces à l'avant. Mmh. D'accord. Merci. Excellent. J'ai une question de Hamid. Si on veut ajouter une autre ligne, c'est juste pour ajouter une autre virgule? Effectivement. Donc, si je veux à la création avoir un autre. Ligne, je rajoute un autre ligne. Il faut, encore une fois, qu'il y ait le même nombre de colonnes que les autres lignes. Ah, oh, c'est normal ça. OK. Mais, à partir de là, okay. on a l'autre ligne qui est maintenant disponible. On a maintenant un tableau de 3 par 3. Excusez-moi, pour le premier tableau, c'est 10 lignes de colonnes. Exactement. OK. Est-ce que Amine, c'est une autre question ou tu as juste gardé ta main levée? Ah, c'était okay. une main. J'aime toujours imaginer qu'on est en classe puis que tu es en train de penser puis que ta main est juste gardée dans zère comme ça. ça. Ça me fait plaisir. <laughs> Parfait. Fait que, on est prête à continuer. On a notre dernier petit élément qui est l'utilisation de méthode. Oh, avant ça, j'ai une autre question de Saja. Oui, encore une question aussi. Euh, pour le premier tableau, table position, mm -hmm. comment on le remplit ça? Lui, il faudrait le remplir à la main. Okay, dans, ben, à la main, dans le sens que avec des euh, okay. assignations qui viendraient. Donc, euh, table position, où c'est que là, je voudrais avoir 0,0 euh, qui est égal mm. à quelque chose. Puis là, après ça, je voudrais avoir le table position qui serait euh, 0,1. OK, OK qui est égal à quelque chose d'autre et ça pendant les euh, 18 autres valeurs requises. Mmh. Là, évidemment, ultimement, ça se peut que ça, on va lire d'un fichier ou d'une base de données pour être capable de remplir ça là. ça va se faire un petit peu plus de manière euh, automatique ou dans une boucle, là. mais le principe c'est qu'il faut aller assigner chacune des positions de manière individuelle. Mmh. Avec okay, une boucle. Exact. Et bien une boucle oui. Super. Donc, on continue avec les méthodes. Donc, souvent, on va avoir à répéter un même set d'instructions, puis on va pouvoir mettre ce set d'instructions-là dans une boîte de répétition, ok, qu'on va pouvoir activer autant de fois qu'on a besoin à différents moments dans notre programme. Donc, on va avoir le principe de méthode qui va me permettre de avoir une boîte dans laquelle je mets des instructions et que je peux réactiver cette boîte-là quand j'en ai besoin. Donc, pour être capable d'utiliser euh, euh, les méthodes, il faut être capable de décrire la méthode. Puis, une fois que la méthode est décrite, on va pouvoir faire appel à la méthode. Euh, ici, euh, Pressing Space. Euh, je... Donc, pour être capable d'avoir une méthode, on va premièrement la déclarer. Donc, on va avoir premièrement un type de retour. S'il n'y a pas de type de retour, puis on va recharger du retour dans un instant. Je peux marquer void. Après ça, euh, par convention, les méthodes commencent avec des lettres majuscules. Puis on a des parenthèses dans lesquelles on va pouvoir mettre des paramètres, on va en dans un instant. Puis après ça, on a des accolades qui va avoir le, les différentes instructions que je veux faire à l'intérieur de la méthode. Fait qu'ici, on peut faire un, deux right lines, une ligne, puis un autre right line, mettons, juste pour démontrer qu'il y a plusieurs instructions possibles. Autre ligne. C'est que j'ai une méthode. Là, ici, le principe, c'est que j'ai juste décrit la méthode. On peut voir en ce moment que quand je l'exécute, il ne se passe rien. Quand je veux utiliser la méthode, ça va être à moi de faire appel à la méthode. Donc, pour faire appel à la méthode, je vais faire un appel à cette méthode-là avec des parenthèses pour dire, bien, exécute ce bloc de code-là. Donc, à ce point-là, quand il arrive ici, il va retourner ici, il va l'exécuter ça, il va revenir où c'était, puis il continue. ça, ça veut dire que je peux exécuter une méthode, faire autre chose, puis réinvoquer la méthode par la suite sans problème. Là, on va voir un premier appel de ma méthode. Ça continue dans le programme normalement. Ça écrit autre chose. Puis après ça, ça réappelle ma méthode qui s'en va refaire ce bloc d'instructions-là pour revenir ensuite ici. Donc j'ai différents appels de la méthode. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la méthode est contextualisée. Ce que ça implique, ça, c'est que j'ai euh, un ce qu'on appelle un contexte défini. Si je déclare des éléments à l'intérieur de ce contexte-là, Okay, donc, on voit ici, on a la méthode, on a déclaré le x qui est égal à 8. Je fais juste afficher le contenu de 8, on voit que ça l'affiche. Si j'essaye d'aller chercher des éléments, donc si j'essaie d'aller chercher des variables, si j'essaie d'aller chercher quoi que ce soit qui a été utilisé à l'intérieur de ce contexte-là, ça me donne okay, un erreur. Donc, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que des méthodes c'est comme des chalets. OK? Qu'est-ce qui se passe dans les méthodes? Reste des méthodes. Donc, n'importe quelle déclaration, n'importe quel euh, élément qui a été créé à l'intérieur de la méthode, à la fin de la méthode, cet élément-là est détruit. Donc, je ne peux pas utiliser des éléments qui sont hors de leur contexte. Puis on le voit ici, là. Ça dit que X... N'existe pas dans le contexte courant de, du programme principal. Le X existe juste dans le contexte de ma méthode. All right, fait qu'on a le principe de méthode qu'on peut créer. On peut avoir, quand on traite des méthodes, des paramètres. Donc, à l'intérieur des parenthèses, je peux avoir des paramètres que je vais avoir besoin de donner à ma méthode pour que celle-ci fonctionne. Donc euh, je peux avoir ici du texte, puis euh, je peux ensuite euh, write line. Donc, je peux avoir des paramètres d'entrée. Si j'en veux plusieurs, je peux les délimiter avec des virgules. Puis, c'est des informations que quand je vais faire appel à la méthode, je dois fournir pour que cet élément-là soit sauvegardé, puis que je puisse l'utiliser à l'intérieur de la dite méthode. J Affiche message. Puis là, ici, il faut que je mette du texte. Puis, euh, je veux dire allô la classe. Fait que quand j'envoie une information, cette information-là est transférée dans le paramètre. Le paramètre est ensuite utilisé, puis l'information est transmise de cette manière-là. Donc, on avait dit hein, qu'on a le contexte qui protège la méthode. Ben, pour être capable de rentrer des informations dans le contexte de l'extérieur, on peut utiliser les paramètres d'entrée. Inversement, on a le principe de retour. Donc, euh, si je veux avoir une méthode que je vais pouvoir utiliser dans n'importe quelle expression, qui va me donner une réponse. OK. Le but de euh, notre... De, de notre méthode, ça va être d'avoir un type de retour. Okay, donc, elle aussi peut avoir des paramètres, peut n'avoir, elle n'est pas, pas obligée d'en avoir. Okay, ça dépend de qu ce que tu es en train de faire. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec des, fonds, des méthodes qui ont des retours, c'est qu'on a le type de retour. Donc, quand on a un type de retour, quelque part dans ma méthode, je vais avoir un return qui va prendre une expression qui va me donner le résultat qui va être utilisé pour cet élément. Une fois que j'ai une méthode qui a un retour, je peux utiliser cette méthode-là à n'importe quel moment où j'ai une expression. Puis à partir de là, okay, je peux prendre ce résultat-là. Donc, quand je fais un appel à une fonction, ça va exécuter la fonction, puis le retour de cette fonction-là, ben, pardon, méthode, va prendre la place de l'appel de la méthode. Donc, on a dans notre variable rep le résultat du double nombre 10, là, je vais juste multiplier par 2, puis on va l'afficher. Ça devrait afficher 20. quest Ce qui est intéressant du return, c'est que dès qu'on rencontre un return, ça va arrêter la méthode, puis ça va tout de suite retourner. Donc, dès que j'ai un return, c'est que j'ai trouvé la réponse, je suis prêt à partir d'ici. Fait que quand on crée des méthodes, on peut faire en sorte que s'il y a une prémisse ou c'est qu'il y a un code d'erreur, quelque chose, on peut peux retourner tout de suite. Mais habituellement, le return se retrouve à la fin une fois que j'ai déterminé le résultat de la méthode que je voulais avoir. Fait que ça fait pas mal le tour des bases que je voulais voir avec vous. Ici, euh, est-ce qu'il y a des questions d'ordre général avant que je ferme l'enregistrement et qu'on commence à jaser des euh, exercices? Une fois, deux fois, trois fois, vendu et adjugé.